Oh. Et salut braves gens. Et aujourd'hui nous sommes sur Ons Human. On va tester un petit peu le bousin. Alors qu'est-ce que Ons Human? C'est un survival action. Ça prend pas mal de concepts. Du Silent Hill, du The Division, du Metal Gear. Du contrôle aussi, on va pouvoir le constater. Quelques instants. Petite mécanique vraiment sympa. Le bestiaire est assez original. Oh, il a pris des dégâts de la créature. Ce qui est plutôt cool au passage. Bestiaire est extrêmement original. Il y a du zombie, il y a vraiment un peu de tout. On y retrouve vraiment les bases SF. Mais aussi fantastique. Allez, on va détruire ça. Ça fait plaisir. Donc c'est un looter shooter hein, évidemment, mais le petit détail qui fait toute la différence, c'est que c'est un looter shooter MMORPG. On est sur un open world. Donc sur la bêta, je suis pas sûr qu'on ait accès à toute la map, mais on a accès quand même à une très très belle surface de jeu au moins pour tester le bousin. C'est prévu pour fin 2024. Alors, en attendant, on teste. Hein. Arbalète qui est très très puissante. Je conseille fortement de la crafter le plus rapidement possible. Je l'ai quasiment pas fait évoluer. Enfin, elle a vraiment la tier 1. Et pour l'instant, je fais tout le contenu de cette bêta. Il y a bien sûr d'autres armes, hein, mais. Ouais, pour l'instant, c'est mon arme préférée. C'est Jadin parce qu'elle tue silencieusement la plupart des zombies. Pas les laisser crier parce qu'il y a des espèces de crieurs. Un petit peu comme dans Last of Us, où quand ils crient, en gros, ils appellent plein plein de vagues de zombies. Et ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. Donc je suis actuellement level 13 ou 14. Il y a un système de level, vous avez un arbre de compétences pour du craft et pour pas mal de petites choses fort sympas que je vous conseille fortement de d'augmenter au fur et à mesure. On va utiliser ça, hein. On va le prendre après. C'était évidemment un jeu en vue à la première personne, mais vous pouvez être en vue première personne dans certaines situations. Et ça, c'est plutôt cool. Là, ça a déjà été fouillé. Donc on va se barrer de là. Je suis sur le jeu à peu près depuis 4 ou 5 jours. J'ai à peu près pris mon temps. Et pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que le jeu ne vous donne pas toutes les clés en main. Il y a des choses à apprendre. Il y a des quêtes narratives avec. C'est vraiment digne d'un triple A. On est entre un double A et un triple A en termes de dialogue. Vous voyez un peu le genre, donc il y a certaines quêtes qui sont doublées et d'autres qui sont juste à forme de texte. Avec des petits fonds sonores. Le jeu a un petit point aussi avec, je trouve, après c'est un avis personnel, je trouve qu'il y a certaines quêtes qui sont énigmatiques, on va dire, et qui rappellent un petit peu Secret World. Légèrement. On a évidemment des gros easter eggs, hein. Du Metal Gear, du Silent Hill, hein. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des ambiances radicalement différentes par moment. Là, je sais pas, on a une tech où je vois. Ah oui, d'accord. Ils sont niveau 15, sont mon niveau, quoi.
Et ouais, c'est des fanatiques, apparemment. Il y a un joueur. Il y va comme un bourrin. Ah, il a peut-être déjà fait un peu le ménage, apparemment. Ah, ouais. Quoi, c'est un sniper là-haut? Il y a une petite chose que je remarque depuis 2 jours, c'est qu'il y a de plus en plus de créatures sur la map. Donc est-ce que l'on n'aurait pas un 7 Day to Die, un bis? C'est ma question. Ah, lui, il avait des explosifs. Bon, en même temps, ça semble logique. En termes de bestiaire, c'est extrêmement riche. Et pour le coup, ils ont pas mis que des humanoïdes, ils ont mis des créatures. Ils ont mis des créatures fantastiques. Il y a vraiment un peu de tout. Et avis personnel, je trouve que c'est une très très bonne chose. Qui permet d'un petit peu de rendre la chose, on va dire, un petit peu well sauce, on pourrait dire. Assez rafraîchissant en termes d'IA. Par moments, l'IA est complètement stupide. À d'autres moments, elle peut vous faire des dingueries. Vous pouvez vous prendre d'ailleurs des gros trash par moment, des espèces d'élites. Assez violent, on va dire. Donc, ne sous-estimez jamais l'IA. Vous allez pouvoir peut-être au tout début, les premiers niveaux, vous allez la trouver vraiment simple. Et vous allez même vous dire peut-être que ouais, le jeu est une IA totalement pété. Mais en fait, pas totalement vrai. Ok. Donc voici ma petite base. On remarque là qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Ah, pourquoi je veux aussi un générateur, c'est pour éclairer un peu tout le bousin. Ah oui, d'accord. Ouais, de toute façon, aucun joueur ne pourra rentrer. Il y a le piano qui. Alors, on a crafté ça. Voilà, donc là, je vais pouvoir crafter un. Je vais pouvoir ajouter mon générateur. Et ça, c'est cool. Alors, fonctionnel. Power génération. Ah. Attends, on va le poser là. Voilà ce qu'on va faire. Je vais juste te mettre ailleurs, toi. Où je vais te mettre, mais je vais te mettre ailleurs. Voilà. Là, ça va être très bien. Ensuite. Bon bah désolé Oli hein mais ouais, j'agrandisse ma maison mais oh. Ok, bon. Attends.
Alors, purifier item, je pense savoir comment ça fonctionne. Alors, attends, après, il faut aussi le mettre avec du courant, je pense. Là, il a peut-être pas besoin, final. Attends. Voilà. Hop. Où je l'ai mis? Vortex. Voyons voir. Ça me donne des scratch rooms. Purifie. Ok. Ah, c'est marrant. Au secours! Non mais! Non mais! Non! Ah là! Vous cassez ma maison! Ah! Mais où? Mais laissez-moi tranquille! Oh là là! Bon. Ok, bon, ça veut donner ok. Jours, elle peut tenir 20 jours moi, ma maison. Est-ce qu'on peut réparer? Attends, épère du bois. Ah. Que est-ce que non. On va voir si c'est réparé. Alors ça remet pas les fondations qui ont été brisées. D'accord. Ok. Donc c'est dans quoi déjà? Fonctionnel, fortification, pour régénération, structure, antérieure, non. Ah. Il faudra aller farmer évidemment le reste. Hein. Mais bon, voilà. On a vu, on s'est pris une petite petite branlée, mais rien de dramatique, on va dire. Ah, ok. Bon, allez-y. Casse.
On va faire un truc. On va juste faire ça. Voilà, on va mettre ça. C'est tout. Bon bah on fera avec hein. Si on a plus de moto, on a plus de moto. Du fuel, j'en ai plus. Donc être sur la route endommagera moins votre véhicule et vous permettra d'aller plus vite. Et si vous sortez de la route, vous allez consommer deux fois plus de carburant et votre moto pourrait être endommagée. On va voir ça, tiens. Ok, bon. A déjà été fouillé. J'étais déjà venu ici aujourd'hui, je pense. Savoir qu'il y a des, il y a une sorte de reset. Je ne sais pas tous les combien de temps. Mais il y a du reset. Ah, ici, par contre, vous voyez, on n'a pas. Non, sortir, on va. Hein? Là c'est full zombie. Il y a un petit coffre donc ça fait plaisir. J'ai eu... Ouais, j'ai eu ça. On s'en fout. Ouais, sont des styles crachés là, tout va. On va éviter. Donc, ça m'a l'air d'être en bas. Ok. Ok, bon. Créature fantastique. Oh,
On dirait les espèces de soldats âgés Final Fantasy VII quand ils sortent de leur cuve là. Faire un peu ça. Moi, ça me fait penser à ça. Alors là, nous avons une note. Alors évidemment, je skip parce que c'est des trucs que je ferai vraiment à la relays. Mais ça a l'air d'être plutôt bien écrit. J'ai suivi une ou deux quêtes vraiment pour voir un petit peu l'écriture et ça a l'air quand même ultra propre. Pour le genre, on va dire. Ils sont pas, on va dire, ils ont pas fait un truc trop pété. Donc ça se lit et tout. Jusque là, j'ai pas du tout. Je m'y suis un petit peu détaché. Et qu'il y a pas mal de quêtes qui sont au final pas du tout doublées parce que ça n'a pas encore été développé tout simplement. Et qui sont certainement encore sur le doublage alors qu'il est. Donc c'est un hôpital de bonne fortune dans un ce qui semble être un bunker. Pourquoi pas? Ah, cinématique. Ou alors téléportation dans un donjon. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc c'est un élément, on va dire, scénarisé. Avec certainement du combat. Là, ça me fait vraiment penser cette partie en bas du Secret World. Enfin, pour ceux qu'on sait, The Secret World vont comprendre ce que je veux dire. Les autres, je vous conseille d'aller le tester. Je sais même pas si les serveurs sont encore ouverts, je pense que oui, depuis le temps. Ok. Et c'est de la merde ça. Voilà. Ah! Ça doit... Ok, ça, ce truc-là, ça diminue les dégâts, apparemment. D'accord, je me fous dedans. Là, c'est aussi un apprentissage certainement de mécanique. Là, on va sortir. Voilà. On se met dedans. Voilà. Ok. Donc je trouve que l'apprentissage des mécaniques en jeu est vraiment, mais alors vraiment très très chouette. Non. Ça c'est pas cool. Ah, ça sauvegardait. Bon. Ok, bon, que je vous ai dit, hein, créature fantastique. On est sur, sur un truc super cool. Voilà. J'imagine que ça, c'est une mécanique QS en plus. Ouf! Ok, on va le refaire. Ah, je sais pas ce que c'est que ça. D'accord, il met en application tout ce qu'il m'a appris jusqu'à présent. J'ai envie de vous dire pourquoi pas.
Heureusement que j'en ai crafté, hein. Mais... heureusement. Ouh. Allez, dans les salves. Voilà. Bon, c'est cool. Hein. Mais du coup, ok. Ok, donc pour récupérer du stuff comme ça. Oh là là. Oh là. Au revoir. Oh non, non, c'est beaucoup. Je suis un peu énervé. Hein. Ah. Ah, c'est Elden Ring. Hein. Ok. Please. Ok. C'est énorme. C'est énorme. Bon. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Bon. Aïe aïe aïe. Après c'est peut-être lié à une quête que je suis en train de me dire là. Ça doit être lié à une quête je pense.
En tout cas. Ah, c'est marrant. Et bien voilà, c'était une petite présentation de ce Huntsman. Nous sommes actuellement le 15 décembre 2023. J'allais dire 2024, mais non, on est bien en 2023. Vous pourrez le test ce même jour. Alors, je ne sais pas à quelle heure ils vont donner les accès. Vous allez juste sur Google, vous tapez Huntsman. Et comme ça, vous pourrez vous en faire votre propre idée. Moi, en tout cas, je m'amuse plutôt bien. Je dois avouer qu'ils ont encore pas mal de boulot. Mais les références, le gameplay, le farm, le craft, le côté TPS vraiment cool. Et tout ce qui s'ensuit, ça peut en faire un très très gros banger en cette année 2024 qui arrive très très vite. Allez, moi, je vous dis à la prochaine. Bisous.